Vas-y, vraiment. Hein? Mais faut venir parce qu'on s'en va pas. J'ai parti, on va passer chez la mienne. Pardon. Allez-y, allez-y. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez, c'est Héritor, votre humble serviteur. Je suis trop serré, attendez, me desserrer un peu. Attendez que je me desserre un peu. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon maintenant, on peut commencer. Un artiste blessé, mais qui désire coûte coûte faire plaisir à ses fans. Franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai aimé. C'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça. Vous trouvez peut-être que c'est anodin ce que je suis en train de dire, mais je vous dis que c'est pas tous les artistes qui peuvent faire ce que Ariel Chiné a fait. Vous avez bien vu la vidéo, vous avez très bien vu la vidéo, et elle veut tout dire. Honnêtement, elle veut tout dire. Dans cette vidéo, on parle aussi de Queue du Sale. Oui, Queue du Sale, je vais m'arrêter là, on se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base, des progrès, progrès, à la base, je procède, à des firmes, des... Voilà, avant de vous parler des Queue du Sale, voilà, parce que je me dis, hein, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que je suis en train de me tromper, mais asseyez-vous tranquillement, chers légionnaires, chers moyens, chers mélomanes, admirateurs de Bordeaux, Ikoufa, pour écouter ce que j'ai à dire sur Queue du Sale. Voilà. Pour l'instant, on parle d'Ariel Chiné. Comme je vous disais en début de vidéo, un artiste qui est blessé, c'est-à-dire un artiste qui a eu une entorse, mais un artiste qui est un bobo de santé ou bien physique, qui désire coûte que coûte faire plaisir à ses fans, franchement, c'est à saluer. Voilà, ça c'est une vidéo de respect. C'est une vidéo d'hommage que je fais pour ce jeune artiste pétri de talent, Ariel Chiné. Pour ceux qui ne savent pas, Asafo et les Magic System et l'Union Européenne ont organisé il y a quelques, je dirais, il y a quelques mois ou bien quelques semaines une tournée. Voilà, en fait, le but de cette tournée-là était basé sur la réconciliation. Voilà, Asafo a jugé bon de faire une tournée avec un groupe d'artistes pour apaiser les cœurs et demander aux gens d'aller aux élections, c'est de préparer le terrain 2020. Parce qu'actuellement, il faut détendre les esprits, il faut apaiser le cœur pour faire de très bonnes élections en octobre 2020. Voilà, c'était ça le projet du groupe Asafo, du groupe Magic System et l'Union Européenne. Et dans cette tournée-là, ils ont sillonné beaucoup, beaucoup de villes pour prôner la réconciliation, prôner le pardon, prôner la paix. Voilà, et parmi ce groupe d'artistes-là figurait Ariel Chiné. Et l'apothéose de cette très belle initiative-là s'est terminée à Yopougon. Oui, ce fut un très très beau show qu'on a suivi ça et là en direct sur les réseaux sociaux. Et même l'événement aussi était diffusé en direct sur la RTI, première chaîne. Voilà, pourquoi je parle de tout ça, c'est pour dire d'abord grand bravo à Ariel Chiné. Parce que Ariel Chiné, avant l'apothéose de cet événement qui s'est déroulé à Yopougon, a eu une entorse. Voilà, parce que j'étais couché chez moi à la maison. Question de fouiner un peu sur le web pour prendre quelques actus. Je vois Ariel Chiné en direct. Je clique sur le direct d'Ariel Chiné. Je ne savais même pas que c'était l'apothéose de cette tournée-là, de lui et Magic Tour. Il a titré dans ce direct que les fans, j'ai une entorse. Donc je me suis dit que l'artiste allait nous dire que ah, normalement, les fans de Yopougon, vous qui êtes actuellement sur les lieux, je vais peut-être monter, mais juste m'excuser parce que actuellement je suis vraiment pas à 100% de mon corps pour vous donner une bonne prestation. Donc ça ne va pas parce que j'ai eu une entorse. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Et je suivais tranquillement le direct. Après, il a arrêté le direct. Son deuxième direct, je vois Ariel Chiné sur scène avec sa béquille qui est en train de soulever une foule innombrable. Voilà, en tout cas, ce fut une très 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 belle fête parce que moi, je pense que cette tournée-là a été vraiment une réussite. Si tout ce grand groupe de personnes que j'ai vu à Yopougon là a vraiment perçu le message de ces différents artistes-là, je pense que 2020 est un horizon très calme. Voilà, parce que les gens sont sortis massivement. Et vous savez que Yopougon est l'une des communes les plus peuplées d'Abidjan, pour ne pas dire de Côte d'Ivoire. Donc, je vois Ariel Chiné en train d'enchaîner ses hits. J'ai dit, waouh, le mec, il aime vraiment son boulot. Parce que si c'est un artiste paresseux, si c'est un artiste qui ne respectait pas ses fans, si c'est un artiste qui s'en foutait de ses fans, qui aimait que l'argent,
Là, elle dit, ah les fans, franchement, hein, j'aimerais bien voulu danser avec vous. J'aurais bien aimé fêter avec vous, chanter avec vous, mais actuellement j'ai une entorse, donc je ne peux pas vous donner un spectacle. Je ne peux vraiment pas prester. Et puis, je sais que Asalfo, avec toutes les preuves, a pu aller comprendre et peut-être insérer un autre artiste, mais Arechiné a tenu à offrir ce spectacle-là à ses fans qui se sont dépassés aussi ce jour-là pour écouter le star, le Chiné qui est devenu Champagne maintenant, qui sort d'un concert à succès ce 2 novembre-là. Franchement, félicitations, bravo. Franchement, je suis fier de toi. Je suis fier aussi de ton cousin manager et du nom de Salomon Zadi, Saméné. Franchement, vous avez bien fait. Franchement, c'est un message fort que vous envoyez à vos amis, collègues et artistes, parce que c'est pour dire que on peut ne pas se sentir bien, mais tant que nos fans sortent, il faut sortir pour leur faire plaisir. Et si après on en souffre, au moins ils sauront que c'est parce qu'on a voulu leur faire plaisir que nous ne sortons pas bien aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je pense que si Arechiné a tenu à monter sur scène, c'était bien vrai pour donner un spectacle à ses fans, mais en même temps aussi pour donner aussi un message de paix. Ce message de paix là que les magiciens et l'Union européenne veulent prôner en Côte d'Ivoire ici. Et Dieu merci, après sa prestation, il a aussi donné un très beau message de paix. Franchement, moi aussi j'invite tous mes amis ivoiriens, tous mes amis de la sous-région, tous les habitants résidents en Côte d'Ivoire, de poser cet esprit de paix là, de poser cet esprit de réconciliation, de poser cet esprit d'union et de pardon. C'est très très important, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, vous ne pouvez pas voir Ariel Chiné en train de prester, vous ne pouvez pas voir Safari en train de prester, vous ne pouvez pas voir Desbordeaux Lukoufa ce 20 décembre au Palais de la Culture prester. On a besoin de paix, qu'on le veuille ou pas, au-delà même de nos aspirations personnelles, au-delà même de notre profit personnel. On a besoin de cette paix là, donc il faut mettre tout en ordre, tout en place pour aller à cette paix-là. Donc franchement, Ariel Chiné, bravo, j'ai adoré, j'ai aimé même. Oui, j'ai aimé. Clé, tu as touché mon cœur comme ça, tu ne peux pas imaginer. Il dit, le gars, il a sa béquille et puis il est en train de chanter, il déploie sa gorge, il déploie ses cordes vocales. Franchement, merci et respect encore. Ça, c'est une vidéo de respect que j'ai fait pour toi, franchement. Et puis, respect aussi aux magiciens et à l'Union européenne. Respect à tous ces artistes qui ont participé à cette tournée-là, franchement. Eriton vous dit merci, ma petite personne vous dit merci. Voilà, les gens disent que je suis une grande personne, mais moi, j'aime bien l'humilité. Parce que l'humilité précède toujours la gloire. C'est devant qui est bon. Bref, on se prend tout à l'heure pour parler des queues du salle des Bordeaux. Il y a problème? À tout à l'heure, les amis. Voilà, bon retour, les amis. Vous connaissez ces Eriton, ça peut jamais chauffer. Je vous rappelle, avant de parler des queues du salle, que Desbordeaux Lukoufa est en concert au Palais de la Culture à l'espace Lagunaire, son espace préféré, parce que ce sera la troisième fois qu'il donne un concert dans cet espace-là. Il sait qu'il a trop de fans, il sait qu'il y a trop de personnes qui l'aiment, il sait qu'il y a des gens qui sont prêts à sortir massivement pour lui. Donc la petite 4000 places-là ne peut pas contenir les personnes qui sont prêtes à venir à ce concert du 20 décembre, à ce concert de célébration là, des 15 ans de carrière. Voilà, donc je vous rappelle juste que ce 20 décembre 2019, Desbordeaux sera en concert live. En concert live, je dis. Je répète et je précise, en concert live. Voilà, donc apprêtez-vous. Moi, j'ai déjà l'argent de mon ticket. J'ai cotisé un peu et c'est arrivé. Donc actuellement, je suis en train de chercher un peu d'argent pour payer les tickets de certains de mes abonnés, les plus fidèles surtout. Voilà, donc restez connectés. Continuez de partager mes vidéos, continuez de vous abonner. En tout cas, je vais faire des heureux. Ceux qui ont envie de partir au conseil de Bordeaux qui n'ont pas les moyens, en tout cas, je ferai l'effort de les aider. Parce qu'il y a le professeur Moussa Cissé. Pour ceux qui ne savent pas, tapez dans la barre de recherche YouTube, prof Moussa Cissé TV, et allez suivre ce monsieur-là. Il a tellement de secrets à vous donner. Vous allez comprendre pourquoi Eriton brille comme ça et pourquoi tout va bien pour Eriton. C'est Dieu qui a béni ce monsieur-là. Et il a décidé d'aimer et d'aider tout le monde à des prix dérisoires. Mais bref, là n'est pas la question. On parle de queue du salle. Les amis, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, parce que Kedisal sort normalement après-demain, dans 2 jours. Je me rappelle bien, avant les soubresauts de direct, de clash et tout, d'injures et tout, chaque fois quand mon artiste de Bordeaux Lukoufa, je ne parle pas l'artiste du peuple, l'artiste de la Côte d'Ivoire, l'artiste des légionnaires, des magnans, faisait des publications, il disait 20 décembre, 20 novembre, 20 décembre, 20 novembre, 20 décembre, 20 novembre. Depuis un certain moment, j'ai constaté, je n'ai pas voulu me prononcer, parce que je pensais que ça allait changer, qu'on ne me parle plus trop du 20 novembre, je ne sais pas pourquoi. Parce que tout le monde entier actuellement attend que l'Issal de Bordeaux Lukoufa. Voilà, je ne vais pas t'apprendre ton travail parce que je sais que tu le maîtrises bien. Mais je te rappelle simplement que tes fans attendent que l'Issal. Donc j'espère que le fait de mettre que l'Issal le 20 novembre, 23h59, ne veut pas dire que la sortie de que l'Issal est annulée. J'espère, parce que franchement, ça va vraiment décevoir beaucoup, 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 beaucoup de tes fans. Beaucoup de tes fans, honnêtement. Voilà, je ne vais vraiment, vraiment pas te mentir.
Il faut nous rassurer. Parce que normalement, une publication doit sortir pour nous dire si Que Disal sort ce 20 novembre, comme prévu, ou bien s'il est encore reporté. Mais je sais qu'il n'est pas reporté parce que tu t'es pas prononcé sur le sujet. Donc on attend toujours Que Disal et ça sort ce 20 novembre-là. Donc, chef fanatique, chef fan de Debordo Likoufa, vous connaissez le gars. Il n'est pas embrouillé, mais vous connaissez, quand il sort, c'est toujours du carton, c'est toujours un hit. Et puis, les vues, nous, on ne les cherche pas, on ne les achète pas, mais ça vient naturellement. Voilà, on n'a pas besoin de trop bavader. Et moi, en tout cas, cette approche, ça me plaît. Parce que mon artiste aussi, c'est un gars, il bavade trop, qu'il fait sortir un morceau. Il parle trop du morceau. Il parle trop du morceau. Et puis après, les clips tardent et tout ça, les gens s'en plaignent et puis on essaie d'oublier un peu le son. Mais ça reste quand même Debordo Likoufa. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de problème. Je profite aussi pour dire aux fans de Debordo que c'est après-demain. Parce que nous sommes le 18, après-demain que ça sort. On ne sait même pas comment tu vas chanter ça. Donc il faut nous dire. Parce qu'actuellement, je t'ai dit, hein, tes amis, tes ennemis, tes fans, tes parents, la Côte d'Ivoire, l'Afrique tout entière, tous les pays de l'extérieur où il y a des Ivoiriens et des Africains, ils attendent que du sale. Ça, c'est la vérité. Voilà, donc je tenais vraiment à te le dire. Donc faut pas nous faire d'une manière et puis on va être coumestiné. Parce que ce coumestiné, on pourra pas vraiment les supporter. Je vais sortir dessus. Je t'ai dit ça même dans Debordo Likoufa. Voilà. Parce que normalement, on doit chanter Que du Sale le 20 décembre avec toi. Donc je sais que c'est vrai que tu es au maître de mettre ça dans tes publications parce que tu es concentré sur ton concert. Bravo. Mais on attend Que du Sale. Voilà, nous on est branchés à 23h59. On va encore veiller. Tes ennemis vont veiller, tes fans vont veiller. Toute la Côte d'Ivoire va encore veiller pour attendre le Debordo Likoufa, le tout dernier, voilà. Tu es le seul artiste qui fait veiller tout un continent quand tu dois sortir un album. Franchement, c'est à saluer aussi et puis c'est à respecter. Bonjour tous les jours, tous mes respects. Et puis rendez-vous d'abord, parce que le grand rendez-vous, on le connaît tous, c'est le 20 décembre 2019 pour parler de la culture. Mais pour l'instant, là, le rendez-vous, c'est le 20 novembre, Que du Sale. Voilà, donc restez branchés. Si ça change, ils vont nous dire. Si ça ne change pas, attendez-vous à Que du Sale. Ciao, ciao les amis, c'était Eric Toc.